Donc Babette Georges, je fais partie de la Maison d'Isis, un projet d'habitat participatif sur Montauban depuis quelques années, mais je ne suis pas à l'origine du projet. C'est ma partenaire de voyage qui est à l'origine du projet. Avec les autres personnes, bien sûr. Vous êtes combien, tu Alors, nous sommes 10, nous étions 18 au départ, nous sommes tombés à 10, et là, on est en train de remonter à 14. Ah, bon, oui, les choses évoluent en fonction des si on a un projet qui tient la route ou pas. Comme on a eu mais des projets qui se sont cassés la figure successivement, plusieurs, donc on en a perdu quelques personnes en route. Et on redémarre sur quelque chose de concret. Donc là, il y a de l'intérêt qui revient pour notre projet. En fait, on a été invité à témoigner justement de nos échecs successifs déjà, et puis de ce qui nous motive malgré tout. À continuer et à persévérer dans cette recherche d'un projet précis qui aboutisse vraiment. Et juste pour dire que c'est un peu notre but dans la vie. On a travaillé aussi sur un projet de vie et dans notre troisième vie, on va dire. Et donc c'est aussi ce projet de vie qui nous maintient et la force du collectif de cette association, la Maison d'Isis, qui nous permet de continuer à tenir et à militer pour un habitat participatif senior, chose qui n'existe pas dans notre département. Moi, j'ai travaillé, j'ai habité en Vendée très longtemps, à 35 ans, et j'ai travaillé au Pactarim, qui est maintenant Solia. Et nous avions fait la maîtrise d'œuvre d'un projet d'habitat participatif intergénérationnel sur Nantes. Plusieurs familles, mais je vous parle d'il y a 35 ans. Et ça m'avait beaucoup intéressée, et quand j'ai déménagé, je suis arrivée à Béziers, j'ai cherché plutôt de la colocation, parce que l'habitat participatif, il y a 15 ans, n'existait pas là-bas. Ça n'a pas abouti, et quand je suis arrivée à Montauban, j'ai fait la connaissance de quelqu'un qui était coopté dans le projet de la Maison d'Isis. Donc tout naturellement, je me suis intégrée dans ce projet. Mes raisons à moi ne sont pas les mêmes que celles de Françoise, forcément. Moi, je me suis retrouvée en 2014, j'ai divorcé, donc je me suis retrouvée seule, habitée, voilà. Et je connaissais la présidente Ginette Bondaras, qui en 2015 a commencé à parler d'imiter les Baba Yaga, parce que c'est vrai que c'était notre modèle de base. Et donc je me suis dit, en fait, pour toi, pourquoi tu vas rester toute seule dans ton appartement, puisque tu as Ginette et puis deux autres copines que je connaissais, pourquoi tu n'irais pas dans cet habitat finalement et faire ce projet? Et puis ça me permettait aussi de passer à autre chose, vu la situation, et de me lancer sur un but, parce que c'est vrai que quand on vieilli, c'est toujours intéressant d'avoir un but, d'avoir quelque chose, parce que ça nous permet d'avancer et de dire, on est utile aussi. Voilà, ça c'était... Oui, c'est du concret, quoi. Oui, voilà. Toujours être en mouvement. Tant qu'on a des projets, on est toujours en mouvement. Et être vivant, ça nous permet d'être vivant. Et donc le fait ensuite d'avoir été pris en compte. Le premier projet, c'était une prise en compte immédiate par la municipalité, par le bailleur social, donc qui avait travaillé avec les Baba Yaga, donc qui connaissait ce qu'était l'habitat participatif et tout. Donc enthousiasme général. Quand on est allé aux rencontres nationales de Nantes, on avait déjà les photos des immeubles, les plans n'étaient pas loin d'être prêts. Enfin, on avait tout. C'était vraiment. On nous disait, mais quelle chance vous avez, premier projet, ça y est, ça démarre et tout. Et il ne faut jamais chanter trop fort parce que ça ne s'est pas concrétisé. Ça nous évite de trop s'isoler chez soi, déjà, première chose. Parce qu'en s'isolant, en restant tout seul chez soi, on va forcément s'isoler. On le voit tous autour de nous, des personnes qui, des fois, ne sortent pas de chez elles depuis une semaine. Ça arrive très régulièrement. Et puis ça nous oblige aussi à penser aux autres qui sont à proximité de notre logement, l'habitat participatif, à être toujours à l'écoute des autres aussi. Et du coup, en s'entraidant aussi dans l'autonomie, tout en restant autonome, je veux dire pas forcément autonome à tout faire seul,
Mais comment trouver les moyens pour se faire aider sans se sentir trop démunis? Et ça va nous maintenir, je pense, le plus longtemps possible. Oui, et puis je pense aussi que c'est, scientifiquement, on dit que les personnes qui se retrouvent ainsi, qui ne sont plus isolées, elles ont du plaisir et elles vieillissent mieux. Et ça peut être aussi une source de, comment dire, d'économie pour la sécurité sociale, parce que ces personnes-là, elles ne vont pas être malades, genre déprime et prendre toutes ces choses-là. Donc, il y a aussi ce côté-là qui fait que derrière, alors on n'arrive pas à le prouver, parce que c'est vrai que si on avait possibilité de prouver les économies qui pouvaient être faites, ça, c'est quand même conséquent, plus le fait de covoiturage, de se retrouver, de mutualiser. On ne peut pas le prouver toutefois quand on a participé. On a participé à un autre colloque à Dijon, mois de janvier. Oui. Ils ont très bien chiffré, il y a eu une partie de chiffrage sur combien coûte une personne en EHPAD, combien elle coûte dans une résidence autonome, combien elle coûte si elle est seule. Et on voit bien que le coût n'est pas du tout le même, même en avançant en âge. Et même si on va les 6 derniers mois de notre vie en EHPAD, ce qui sera peut-être le cas, parce qu'au bout d'un moment, si on est toutes assez en âge avancé, on pourra peut-être plus s'aider, rester chez soi. Il va y avoir un projet, de toute façon, de vie sociale, donc on va participer à ce projet. Mais on est déjà un groupe qui est constitué donc, de départ, si les personnes vont se rajouter. Mais déjà, on va dire que le groupe constitué, il y a déjà une grosse base qui est constitué. Donc, bien sûr, pas dans le projet, mais le groupe. Je veux dire que la mayonnaise, elle a déjà prise au niveau du groupe. La construction du groupe s'est faite déjà, puisqu'on a beaucoup travaillé avec APFAP, notamment. On s'est fait accompagner pendant pas 2 ans, peut-être. Et on a beaucoup travaillé sur les prises de décision, sur tout ce qui... La gouvernance partagée. Donc, on est prêt, là. Nous, on est prêt. Le groupe est solide, voilà. On en a perdu un peu en route, hein, parce que les échecs successifs, ça fait qu'il y en a qui n'ont pas pu attendre, il y en a qui n'ont pas voulu. Et puis ça nous a permis du coup d'apprendre à se connaître mieux, surtout dans les difficultés liées au confinement, je vais dire. Ça a permis de définir vraiment, de bien comprendre le caractère et le fonctionnement de chacun. En cas de difficulté, moi ça m'a permis ça. Et j'ai trouvé que c'était très très bien. S'il vaut mieux bien se connaître avant, sur les difficultés. Parce que se connaître sur ce qui est facile, c'est tranquille. Ça va très bien. C'est quand il y a des difficultés qu'on a besoin de savoir s'il y a des bases solides et sur qui on peut compter. Moi je ne suis pas originaire de Montauban, je ne suis pas au départ du projet. Donc, moi, la difficulté que j'ai eue, je ne le cache pas, mais tout le monde le sait, hein. Je ne suis pas la seule à avoir eu cette difficulté. Sauf qu'il y en a qui ont eu la même, mais qui sont partis. Moi, j'ai décidé de rester. Mais c'est de s'intégrer dans un groupe existant avec des personnes qui se connaissent des fois depuis l'enfance, depuis l'école élémentaire pour certains. Il y en a qui parlaient de communion solennelle, où elles étaient ensemble. Je veux dire, quand on arrive... c'est pas si évident que ça, même si pour les autres ça paraît évident. Mais non, parce que le groupe il est comme ça, c'est pas facile de se faire un passage. Et je pense à ça parce qu'il y a des nouveaux qui vont arriver, il y a des nouveaux qui arrivent. Je me dis qu'il faut aussi qu'on soit vigilant. Moi je me sens un peu dedans et à côté, alors c'est un peu facile, c'est comme si j'étais observateur moi. Alors, c'est plus facile pour moi, mais que les personnes qui sont là depuis le début, qui se connaissent depuis l'enfance, elles soient vigilantes à intégrer et intégrer en acceptant toutes les différences aussi, parce que on a une expérience de vie qui est forcément différente. Donc on arrive à notre âge, on est très différents. Puis il y en a qui n'ont jamais déménagé de leur vie, il y en a qui ont déménagé comme moi 40 fois, il y en a qui ont changé de région plusieurs fois comme moi, quoi. Enfin, je veux dire, qui ont divorcé plusieurs fois. Il y a une différence entre une personne qui aura habité toujours Montauban, par exemple, qui aura travaillé au même endroit pendant 35 ans, qui s'est pas confronté à beaucoup de difficultés quand même, parce qu'en bougeant, chaque fois, chaque région, on se confronte à des difficultés quand même.
Et du coup, il faut aussi qu'elle s'ouvre un petit peu plus, quoi. Oui. Moi, les projets, c'est vrai que j'étais depuis le début, donc c'est vrai que le groupe constitué, et ce qu'elle dit, je le comprends, parce que vraiment, on se connaît depuis longtemps, et on pratique comme on est quand on se connaît depuis 20 ans, quoi, je veux dire. Certainement, on oublie un peu que les autres qui rentrent, il faut leur faire la place, quoi. Hein. Je crois qu'elle a raison. Il faudra être vigilant, de faire attention, à faire bien rentrer les personnes, bien être dans cette problématique-là, quoi. Parce que si on veut que ça prenne mayonnaise, ça prenne la mayonnaise, quoi, c'est sûr. Vous avez rencontré d'autres situations compliquées? Moi, des situations compliquées, c'est les échecs qu'on a eus successivement, quoi. Parce que c'est vrai que le premier échec, c'était juste avant le Covid. Donc, c'était fin février et on a été encore finalement au mois de mars. Donc, par rapport à ça, il a fallu accuser le coup de l'échec. Et donc, ils se dirent qu'on va quand même continuer. Heureusement, on était dans ce que je disais tout à l'heure, avec la recherche participative, avec Kalash et Rapsodia. Ça nous a permis de garder la tête hors de l'eau et de continuer à se voir, déjà en visio, donc d'installer tout la visio et tout, et de pouvoir continuer à communiquer de cette façon-là. Donc, on s'est raccroché de cette façon-là. Ça a été pour nous très bénéfique. Ça nous a permis aussi, après, de rencontrer Bernard Joindin et Coyot, donc de travailler sur les 5 mots, vieillissement, autonomie, projet de vie, engagement, entraide. Donc ça aussi, ça nous a permis de creuser un petit peu comment on voyait ces termes-là et qu'est-ce que ça représentait pour nous. Donc c'est vrai que... on a quand même, malgré les échecs, on a toujours cet optimisme et cette envie que les choses se fassent. Et même au niveau de la préfecture, quand on a été reçu, on a dit on continuera à militer, même si on n'a pas une immeuble qui se fait. On veut que l'habitat participatif pour les seniors se développe, et surtout pour ceux qui ont des petits et moyens revenus, parce que ceux qui ont de l'argent et qui peuvent mettre l'argent sur la table, ça se fait demain, quoi, hein. Ça fait longtemps qu'on aurait... qu'on y serait. Donc ça en est où, là, du coup, au niveau des recherches et tout ça? Dernièrement, là, au mois de mars, on a le bailleur qui est Mésolia, qui est venu nous proposer sur l'îlot, sur les friches, la friche qui est en face, le projet où nous devions être, une construction d'un immeuble de 23 logements pour les personnes âgées. Et donc il nous a dit, si on va faire un projet de vie, un projet social pour justement... que vous puissiez être dans un habitat inclusif et donc habiter cet immeuble. Donc, fin 2025, on va dire, on espère qu'on aura quelque chose. Voilà. C'est un projet qui va être intégré dans 4 immeubles. Il y aura le nôtre, il y aura 4 autres immeubles. Donc de l'accession à la propriété, du logement social, une résidence pour les jeunes étudiants, rugbyman. Et une crèche. La crèche, c'est la municipalité. Il y aura un tiers-lieu aussi. Et ce qui veut dire qu'on sera dans de l'intergénérationnel, mais en ayant notre immeuble au calme, on va dire, pour les seniors. Mais avec l'idée du bailleur, c'est de faire animer l'îlot, animer le quartier et faire ces choses-là. Donc, on est dans ce dont on parlait aujourd'hui, l'intergénérationnel. Et pourquoi il n'y aurait pas aussi dans l'intergénérationnel cette possibilité d'être au calme dans un immeuble, tout en ayant la participation autour des enfants et des jeunes. Oui, il nous parlait d'aide aux devoirs, de choses comme ça pour les enfants de primaire, par exemple, de mettre en place, qui est tout à fait possible. On en avait déjà parlé sur notre ancien projet. On a toute une liste d'animations qu'on souhaitait mettre en place. Il suffit de décentrer. On ne remplacera pas les entreprises qui font de la garde d'enfants périscolaires. Hein. Oui. Je l'ai fait pendant 5 ans, même à Montauban. Hein. Donc c'est pour ça, mais non, on n'a pas... C'est votre désir, c'est super. Oui. Il ne faut pas que ça soit une obligation, pas tous les jours, il faut que ce soit... Et puis volontariat aussi. Oui.
Thank you.